I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonsoir tout le monde. Vous écoutez l'émission 11 du Wrestle Rock Podcast. Mon nom est Jonathan Drapeau. Je suis avec mon ami d'enfance, mon éminent collègue, Benoît. Comment ça va, mon Ben? Ça va bien, toi? Hey, ça roule, ça va bien, ça va bien. Content de rejoindre nos fans et de faire cette émission magnifique avec toi, une fois de plus. Ouais, puis en passant, j'espère que ça va bien à la maison. Puis j'en profite pour remercier tous les gens qui sont abonnés sur notre chaîne YouTube. Il y a eu quoi, 200 abonnements en moins d'une semaine? Ouais, ouais, c'est débile. C'est malade mental ce qui se passe en ce moment. Je crois que ça a explosé. C'est comme... comme du popcorn. Comme du popcorn. On est bien content de ça, puis... rentrons vivement dans le sujet puisque, Ben, tu sais, au mois de septembre, il s'est passé vraiment beaucoup de choses dans le milieu de la lutte. Ah, quand même, on a à peu près 4-5 shows à parler. Yes, yes, yes. Alors, commençons tout de suite vivement dans le sujet. Donc, est-ce que tu savais que le médaillé d'or des Jeux olympiques de Tokyo, Gable Stevenson, a signé un contrat avec la WWE le 9 septembre dernier? Et puis, en fait, il sera en train de terminer ses études, puis après ça, il va être à temps plein avec la WWE. J'imagine qu'il va commencer à NXT. Ouais, ça, c'est bien entendu. Ça va être un espèce de... Quoi, un mélange peut-être de, mettons, Brock Lesnar puis Kurt Angle, si on veut, en frais de lutte olympique, j'entends. Ouais, ouais, ouais. Peut-être ben... pas en frais de shape, mais en frais de lutte olympique. Yes, si yes, yes. Il a mieux finir ses études avant de commencer sa carrière de lutteur. C'est normal aussi. Ben oui, ben oui. T'sais, s'il est sur la route et vos études, ça marche pas. Hein? En parlant de lutteur, écoute, je sais pas si tu as écouté l'émission Dark Side of the Ring. Oh oui, je l'ai écouté. Qui est présentée de façon régulière sur Vice. Sur Vice. Et puis, il parle des scandales qui se sont passés il y a quelques années. Et puis, récemment. Nous allons parler, en fait, de la controverse concernant le double médaillé, le Hall of Famer de la WWE et 16 fois champion du monde, Ric Flair. Est-ce que tu veux en parler un peu? Oui, bien entendu. C'est durant l'épisode 8 de la troisième saison de la série Dark Side of the Ring, comme Joe m'en a parlé, qui fut diffusée le 16 septembre dernier. Cette controverse est en rapport avec un vol d'avion avec des lutteurs de la WWE ayant mal tourné en mai 2002, intitulé « The Plane Ride from Hell ». L'incident en question a fait perdre un contrat publicitaire, du moins temporairement, à Ric Flair. Ouais, certaines sources ont rapporté que la compagnie de Car Shield ne mettra plus en vedette Flair dans ses annonces pour une période indéterminée. Yes, un porte-parole de l'agence Intermedia affirme que le dossier n'est pas pris à la légère. En fait, là, ce qui se serait passé, là, c'est que... l'équipe de la WWE, à une certaine époque, en mai 2002, c'est ça? Ouais, il revenait de... d'une tournée dans le fond. C'était New Direction? Ouais, je pense que c'est ça. En Angleterre? Et, ils ont été bloqués dans l'avion avant de partir pendant, je crois, c'était 17 heures, ça se peut-tu? Ouais, une affaire de même. Une affaire du genre. Problème de météo. Ouais, c'est ça, là, j'ai pas l'information. C'est une affaire de même. Mais je crois que c'est 17 heures. On fera un erratum si on se trompe. Ouais, bien sûr. Et puis, les gens ont commencé, les lutteurs personnels, direction de la WWE, ont décidé de commencer à consommer en attendant, tu sais, prendre une coupe de bière, un peu de fort, nanana. Mais on se souviendra là, qu'à à cette époque-là, il y avait... mais je crois pas que ce soit en 2002. Ah oui, c'était en 2002 que... Et Razor Ramon n'était pas dans l'avion en 2002. Non, je pense que Scott Hall, il venait de quitter puis Scott Hall, je pense. Mais pourquoi qu'il parle de Scott Hall dans l'émission? Non, t'as pas, je pense qu'il y avait des problèmes de boisson puis il a été congédié. Ça, au pire, on fera un erratum, mais ouais, c'est ça. Mais bref, le party a pogné, mais un peu trop... Puis là, les gens étaient sur plusieurs types de substances. Ils ont mélangé énormément.
Il y a eu beaucoup d'anecdotes qui se sont passées, dont X-Pac, alias 123 Kid, qui aurait coupé les cheveux à Michael Hayes. Il a coupé sa couette, genre. C'est ça. Il y a Kurt Hennig qui aurait mis de la broue à barbe sur sa tête à Brock Lesnar, puis le Brock Lesnar l'a mal pris, se serait battu. Kurt Hennig aurait été en plein vol, là. T'sais, il était comme à 35 000 pieds d'altitude, puis Kurt Hennig et Brock Lesnar se seraient battus l'un contre l'autre. Et je crois que Brock Lesnar aurait poussé Kurt Hennig dans la porte d'éjection, la porte d'urgence. Là. Wow, ouais. Et puis ça aurait pu vraiment être terrible. Là. Il aurait pu être complètement éjecté à 35 000 pieds d'altitude. Ça aurait pu être très dangereux. Et puis, le personnel de l'avion, en tant que tel, était sous le choc. D'ailleurs, est-ce que tu n'aurais pas une petite anecdote à nous conter à propos d'une des membres du personnel avec qui Ric Flair aurait pu avoir... Tu veux parler de la petite faiblesse de Ric Flair? Yes. OK. C'est beau. Dans cet épisode, on fait allusion au comportement déplacé qu'aurait eu le Nature Boy à l'endroit d'une hôtesse de l'air dont je tais le nom. Il aurait montré son bas-ventre étant nu sous l'un de ses peignoirs Nature Boy, en plus de lui avoir fait des avances indécentes. L'affaire a été portée en justice et Flair a toujours nié avoir agi de la sorte. La WWE a même retiré l'image de Ric Flair ainsi que son woo dans son intro de diffusion d'un show. Oui, à tous les débuts de show. Il y a Live Then, Now, Forever. T'as le droit de pas peur que je le forme de bus, c'est Austin. Ayant soi-disant banalisé le comportement de Ric Flair durant l'émission, Tommy Dreamer a été suspendu d'Impact Wrestling pour une période indéterminée. Dreamer s'est par la suite excusé auprès de des gens qui l'auraient choqué. Là. Bref, en gros, Ric Flair se serait sorti à la graine devant une fille dans l'avion. Puis. À qui tu peux le comparer, Nature Boy? Je sais pas, moi, Guy Cloutier. Ouais, c'est rough un peu. Hein. Mais bref. Pas que l'hôtesse est majeure. Ouais, non, je le sais, mais tu sais. Bref, ça m'a fait penser à ça un peu. Bref. Moi, ce que je te disais l'autre fois, tu t'en rappelles, on avait parlé en écoutant les shows, à un moment donné, qu'à force d'avoir des anecdotes de même dans Dark Side of the Ring, il y en a qui vont avoir des réponses à donner tantôt. Puis, gars, Ric Flair, commence à en avoir des réponses à donner. Il paye, puis ça te fait mal. On n'entend plus parler de Ric Flair. Il était comme dans un hop, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, chers auditeurs, mais lors de nos derniers podcasts, on avait parlé de Ric Flair qui avait été accompagné. On le mettait sur un piédestal. À la Triple A. Voyons comment il s'appelle, son beau-frère, El Dio. Andrade, son beau-fils. Son jeune. Andrade, après ça, il y a eu sa apparition au show. De la NWA pour le 73e anniversaire, je crois, de la NWA. Ouais, exactement. Puis maintenant, ben, ça l'a sorti, donc j'imagine que Ric Flair en ce moment est dans de beaux draps. Enfin, alors, changeons de sujet, ouais. Parce que c'est un sujet controversé. J'espère qu'on vous a pas trop choqué. Nous allons parler maintenant de Keith Lee qui aurait modifié son nom de lutteur lors d'un dark match avant le Raw du 20 septembre dernier. En effet, il a été présenté en tant que Keith Bearcat Lee. Ben, c'est son nom actuel. Là. Il s'est appelé de même. Bearcat. Pas trop de bat, Bearcat. Bref, il est rendu à Raw, puis on parlera du draft tantôt. C'est assez intense. Puis, lors d'un récent interview, Becky Lynch a répondu à qu'est-ce qui était le plus important dans la lutte. Lynch a déclaré que pour elle, la connexion avec les spectateurs lors d'un événement ainsi que l'histoire racontée sont les éléments les plus importants que les prises exécutées dans un combat. Ben, c'est sûr que, tu sais, s'il n'y aurait pas... Ben, tu sais, on a pu le voir dans les dernières... dans la dernière année avec la pandémie. C'est sûr que les storylines n'étaient pas nécessairement mis de l'avant beaucoup, puisque... Ben, tu sais, on s'entend que... Quand il n'y a pas de foule, ben, les gens ne peuvent pas vraiment réagir à ce qui va se produire, tu sais. Ouais, c'est un peu difficile, fait que, tu sais... Faut travailler ta foule, c'est sûr. Ah, ben oui, tu sais, c'est... Les lutteurs, faut pas t'avoir le charisme du lutteur. D'avoir la foule pour orchestrer toute la magie des quand la foule embarque pas, ça met moins dedans. C'est ça, exactement. Hey, en passant, WrestleRock Podcast tient à féliciter Ronda Rousey,
car elle et son mari Travis Brown sont devenus les parents de la petite, et je vais vous lire le nom, c'est assez dur à retenir, Lakia Makalapua-Kalanipo Brown, le 27 septembre dernier. J'espère qu'elle ne signera pas de chèque de sitôt. On n'aura pas besoin de signer de chèque. Ses vieux jours sont déjà payés. J'imagine. Elle peut passer le reste de sa vie les bras croisés puis l'argent en rose. Ouais, si on peut, ouais. Tu voulais parler du Royal Rumble, il y a de quoi d'intéressant, tu dis? Oui, le Royal Rumble 2022 sera diffusé le samedi 29 janvier au Dome at America's Center à Saint-Louis, au Missouri. Donc, c'est exceptionnel. De voir, oui, c'est exceptionnel. Puis... Normalement, c'est le dimanche. Oui, effectivement, cette année, c'est un samedi. Mais j'ai très hâte qu'il y ait un gros événement dans le Canada. Là, récemment, ils ont annoncé que le 30 décembre prochain, il y aurait le premier show en terrain canadien depuis déjà... 30 ou 20 décembre? C'est le 30 décembre. 30 décembre, okay. Le 30 décembre, ça serait à Montréal, à la Place Belle. Et puis, au Centre Belle? Non, pas au Centre Belle. À la Place la Belle, place Belle. À Laval. La Place Belle à Laval. Oui, c'est ça. À Laval. À Laval, elle vient d'Anjou. C'est ça, exactement, exactement. Nous allons parler d'Alexa Bliss. On va l'amener d'Anjou. Oh, 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 oh. J'espère qu'on comprend pas le français, là. Non. Non, sérieusement, pour vous dire qu'elle sera hors de l'action pour une durée indéterminée, car elle doit subir une opération au niveau des sinus. Je pense qu'elle a subi l'opération. Elle a subi ça. Elle a subi l'opération. Elle a subi l'opération, puis elle va être out of game. C'est vraiment une opération au sinus? Au sinus, ben oui. OK. C'est pas t'enlèves le SI, puis tu rajoutes un O. Câlisse! Bref, j'espère que Lexi Kaufman, de son vrai nom, se porte bien. Puis qu'elle soit prochainement dans le feu de l'action. Je sais qu'elle fait partie de l'équipe avec le draft. Elle est rendue à SmackDown. J'aurais aimé ça qu'elle soit à Raw. On aurait pu l'avoir ici à Montréal. Mais ça ne sera pas le cas, malheureusement. J'espère qu'il n'y aura pas un SmackDown si c'est sinus. Un coup de poing en face, c'est une bleue. Non, c'est une joke. Avec le 30e anniversaire de SummerSlam 92 qui avait lieu à... Wembley en Angleterre, mesdames et messieurs! Il y a des rumeurs que celui de 2022 se fasse également dans le même pays. Ceux et celles qui s'en rappellent, ils n'ont sûrement pas oublié le main event mémorable impliquant Bret the Hitman Hart face à Davey Boy Smith British Bulldog pour le championnat intercontinental avec une victoire de ce dernier. Puis en 1992, au Pro Wrestling Illustrated de 92, Match of the Year. Ouais, c'est vrai, t'as tout à fait raison. Alors, poursuivons avec nos opinions et impressions concernant l'événement WWE Extreme Rules. Alors, comme premier combat, je veux dire, dans le pré-show, là... Il y avait Liv Morgan qui face à... Qui a battu, Carmella Pampenfall. C'est un match bien ordinaire. Bon, il y avait une bonne hit, les deux lutteuses, je trouve qu'ils sont améliorés. On a déjà vu pire, mettons, là. Ah, c'est certain, mais tu sais, la WWE, ils ont encore une fois des croûtes à manger. C'était pas le meilleur événement de la WWE cette année. Et comme je te l'ai mentionné, ça s'appelle Extreme Rules et c'est pas normal qu'il y ait un combat de stipulation extrême hardcore dans toute la carte au complet. Ça s'appelle Extreme Rules. Ah, je sais. Et puis. Il n'y avait rien de extreme dans le show, tu sais. Ben, pas le main event, là. Mais c'est tout. Ouais, tant que ça, appelle ça Judgment Day ou Backlash, est-ce que... Ben, c'est ça, tu sais. Appelle ça la roulotte à petite frite chez Norman, là. Tu sais, non, mais, tu sais, ça s'appelle Extreme Rules. Chris, ça prend du beurre de peanut dans la poêle, là. Bon, c'est ça. Du beurre de peanut dans la poêle, Chris, ça va coller. le premier match officiel du gala, c'était The New Day. Big E, Kofi Kingston et Xavier Woods qui ont battu Bobby Lashley, AJ Styles et Omos. Ouais, c'est des moves testifs, solides, mais Omos est ordinaire, il n'a pas fait grand chose. Yes. J'ai ouvert une petite parenthèse au propos de Big E.
Kofi Kingston et Xavier Woods. Ah, vas-y. Le 5 octobre dernier, Netflix ont sorti une émission avec Undertaker et les New Days. Ben oui, ben oui. Je me souviens pas du nom que ça s'appelle, mais... Ça me semble que ça finit par The Undertaker. Ouais, hein? The Undertaker, mais... c'est, c'est basé sur l'histoire de Undertaker et de son urne et de sa puissance de son urne. Mais c'est un film de type un peu horreur science-fiction. Et puis, il est interactif. Donc, c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu veux qui arrive dans l'émission, dans le film. Fait que dans le fond, je te donne un exemple. Au début, les trois New Day sont à l'entrée. Ils essaient de parler à Undertaker pour rentrer dans la maison d'Undertaker. Puis, tu as le choix entre est-ce qu'on rentre ou on rentre pas. Fait que là, ben, tu choisis, tu sais, avec l'aide de la télécommande, etc. Ouais. Puis, c'est interactif. Fait que tu choisis qu'est-ce qui se passe. Puis, selon tes réponses, ben. C'est comme un petit peu quand on était jeune, puis il y avait les livres, là, les petits livres là, dont vous êtes le héros. C'est exactement la même affaire. Mais c'est ça. Okay. Mais bref, c'est une parenthèse, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. On va jouer à Donjon Dragon avec Donjon Dragon. Donjon Dragon. Alors, le deuxième match officiel du gala, c'était les Usos qui ont vaincu le Street Profits pour le championnat tag team de SmackDown. Ford se faisait travailler les côtes blessées. Beau team move, bonne chimie, puis c'est ça, c'était un bon match. Puis oui, c'était quand même bien ce combat-là. C'était un match de travailleur. Travailler contre. Quand c'est pas ça. C'est un bon 8 sur 10, c'est bon ça, parfait. Ensuite de ça, dans le fond, il y a eu un combat qui m'a interpellé, qui était quand même. Honnêtement, je pense que c'était le meilleur combat de la soirée. Ouais, pas mal. C'était, dans le fond, la championne Charlotte Flair qui a défait Alexa Bliss par contre par pinfall. Ouais. Et puis Charlotte, dans le fond, a... Charlotte, c'est toujours la meilleure. Bliss, on est écœuré de sa gimmick. Par contre, il y a une bonne intensité. Mais Charlotte avec sa gimmick, Wyatt est plus là, changé. Wyatt est plus là, là. Je change de disque. Tu penses-tu, toi, qu'Alexa Bliss, là, c'est pas une opération chirurgicale, mais c'est genre une opération, genre, physique, un ajustement de, genre, de, tu sais, peut-être plastique. Peut-être. Tu sais, on sait pas, hein, qu'est-ce qui peut se passer. C'est pas ce qui peut arriver. Ensuite, il y a eu Damien Priest, mon lutteur préféré que je déteste. Contre Jeff Hardy et Sheamus. Je déteste ce gars-là. Je sais pas. Je suis pas capable d'accrocher. Ouais, là. Fucked up. Tu sais, il s'est enfargé dans les prunes. Ouais, il s'est enfargé dans les prunes, tu t'en rappelles? Ouais, je sais. Puis il y a ça à quelqu'un en bas. Ouais. Il a fait un fucked up tout de suite après. Une chance que Jeff Hardy, il avait de l'expérience pour bien camoufler le move. Mais ouais. Quelqu'un connaît moindrement la lutte, il a vu que c'était un fucked up, là. T'as eu faire un genre de test drive, puis il a comme tombé sur le cul, comme François quand il a essayé de faire un full blast un peu, là. C'est ça. Yes. Salut François, j'espère que ça va bien. Ensuite, il y a eu un match un petit peu plus long qu'à SummerSlam, c'est-à-dire Becky Lynch contre Bianca Belair. Ended in a no contest. Ouais, c'est ça, j'ai marqué meilleur qu'à SummerSlam, lol. Mais là, à la fin, t'as eu le retour de Sasha Banks. Ça pouvait pas être dur à battre en Christmas. Ah non, ça c'est sûr. Ça avait duré 3 secondes à SummerSlam. Coup de pied de jackknife, 1-2-3. Hein. Ça ressemblait à ça pareil. Hein. C'est comme le fameux Madison Square Garden entre Diesel, Cool Diesel et Bob Backlund. Bobby Backlund, qui était à l'époque le champion poids lourd de la WWF. Ouais. Et puis, en 8 secondes, The Big Daddy Cool Diesel était devenu le champion poids lourd de la fédération en effectuant un coup de pied et son jackknife powerbomb. Blague à part, ouais, c'est ça. Ensuite, c'était un Extreme Rules match for the Universal Championship impliquant le champion Roman Reigns avec Paul Heyman qui a vaincu le Demon Finn Balor par pinfall. Oui, et on se souviendra d'un élément important du combat, mes amis. C'est lors... de Finn Balor a voulu monter sur le troisième corps. Ben, il est Batman Turner, hein? Oui. C'est comme régénérisé. Régénéralisé. Ouais, comme un super-héros, un peu. Ouais, qui, au moment où... c'était le temps d'effectuer son... Coup de grâce. Yes, son coup de grâce.
Là, les câbles ont cédé et puis Roman Reigns a remporté la victoire. Avec un spear. Exactement, exactement. Donc, c'est ici que se termine, dans le fond, la section de Extreme Rules. La succession, OK. Yes. Est-ce que tu voulais parler de Crown Jewel? Bon, on va en parler un peu. Si c'est possible, bien sûr. Alors, les matchs ne seront pas nécessairement en ordre. Là. Non, mais vas-y, mon ami. Il y a une grosse carte qui s'en vient prochainement. Ouais, exactement. Il y a Roman Reigns qui va défendre son titre Universal contre Brock Lesnar. Est-ce que tu penses que Brock Lesnar va devenir le prochain WWE Universal Champion? Moi, je pense que oui. Moi, je crois que la seule personne qui peut battre Roman Reigns après comment on appelle ça? Quand quelqu'un est champion très longtemps déjà, un règne de plus de 400 jours. Ah oui, ben là c'est depuis août 2020, je pense. Ouais, c'est ça, c'est plus de 400 jours. Depuis Payback 2020. Moi, je pense que c'est Brock Lesnar qui pourrait remporter le combat. Avec le contrat qu'ils ont donné aussi. Yes, alors on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir réserve à Brock Lesnar, mais... Il faut savoir aussi que lors du draft, Brock Lesnar n'a pas été drafté. Non, il est agent libre. Il peut choisir. Agent libre. Il peut choisir s'il va à Raw ou à SmackDown. Yes, c'est ça. Exactement, exactement. Ensuite de ça, il y a un combat triple menace qui a été annoncé, dans le fond, entre Becky Lynch, Bianca Belair et Sasha Banks. J'ai bien hâte de voir tous tes pronostics pour ce combat-là, mon Ben. Tu penses qui va gagner? Bianca Belair va récupérer sa strap parce que là, faut pas oublier que Becky Lynch a été drafté à Raw, là. Ouais, tu peux pas être à Raw avec la strap de SmackDown, ça marche pas. Non, c'est comme Charlotte, elle doit être à veille de perdre sa strap de Raw vu qu'elle est drafté à SmackDown. Moi, c'est mon opinion. I give it, comme on dit. Et je la partage. Ensuite, il y a RK Bro qui vont défendre leur championnat tag team de Raw contre AJ Styles et Hamos. Yes. Eux, ils n'ont pas bougé dans le draft. Hein. Ils ont resté à Z, je pense. Hein. Je pense que AJ Styles et Hamos sont encore à Raw. Oui, il me semble que oui. Ouais. Ça va sûrement être un excellent combat. Match de shape avec un peu de haute voltige. Oh, oui, ça, c'est du high five, va en avoir, ça, c'est sûr. Des moves surprises. Alors, ça risque d'être un combat intéressant à regarder dans l'ensemble. Il va y avoir un Big E contre Drew McIntyre, un match simple pour le WWE Championship. Oui. Je pense que Big E va rester champion. Ouais, tu penses? Là, de ce temps-ci, Drew McIntyre court beaucoup pour la ceinture. J'ai bien hâte de voir. Est-ce qu'il a déjà été... je me souviens pas s'il a été champion. WWE, ben oui. Drew McIntyre? Ben oui. Oui, c'est vrai, il a déjà été, oui, mais... Ensuite de ça, ben, il va avoir la finale du fameux King of the Ring que finalement, la WWE... vont faire parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait eu un petit échange Benoît et moi concernant Queen Crown Tournaments, mais on n'était pas certain s'ils allaient faire le King of the Ring finalement. Ah, ils l'ont fait, et puis ils ont décidé de le faire, donc c'est vraiment cool. Mais juste avant de passer à nos pronostics pour le King of the Ring, je voudrais simplement dire que lors de Crown Jewel, il va aussi avoir le combat de Seth Rollins et de Edge dans un Hell in a Cell. Ça promet. Ça risque d'être très intéressant, effectivement. Ah, puis un Old Bar match entre Goldberg et Bobby Lashley aussi. Ouais, mais on n'en a pas vraiment parlé parce que tu sais qu'est-ce qu'on... Ouais, ça m'intéresse plus ou moins. De Goldberg. Match de shape, là. Ah, ben il va sûrement blesser Bobby Lashley. Je suppose. Il va faire une close line puis il va lui casser le nez, là, sûrement. Ouais, cool. Mais tu sais, j'en ai parlé, moi, la dernière fois, puis je me répète. Mais quand est-ce que vous allez arrêter de mettre Goldberg dans un arène? Ce gars-là est dangereux. Quand on fait de la lutte, on l'en a fait longtemps, on le sait. On a la vie de quelqu'un d'autre dans nos mains à chaque instant. Ton adversaire, c'est ton meilleur ami d'une certaine façon. C'est super important. Puis à chaque fois, Goldberg, depuis des années... Il se passe des choses, je sais pas si c'est le karma, mais honnêtement, Goldberg doit prendre sa retraite rapidement. Ça, c'est mon avis. Et je vous la partage. Pour enchaîner sur le King of the Ring, c'est un tournoi qui implique Rey Mysterio, Sami Zayn, Cesaro, Finn Balor, Kofi Kingston, Jinder Mahal, Xavier Woods et Ricochet. Et là, Sami Zayn avait déjà battu Rey Mysterio, puis Finn Balor a déjà battu Cesaro. Lors de Raw du 11 octobre, il va y avoir Kofi Kingston contre Jinder Mahal et Xavier Woods contre Ricochet. Entre tout et moi, le Kofi Kingston contre Jinder Mahal, peux-tu dire que c'est Jinder Mahal qui va gagner ça? Ben, ça dépend.
Caroline, je pense. Ben, Jinder Mahal, elle m'a dit qu'à SummerSlam, ils l'ont fait jobber contre McIntyre en bataille. Moi, c'est sûr que dans mon cœur de moi, là, puis j'imagine que tu vas être d'accord avec moi, je rêverais de voir un Kofi Kingston contre Xavier Woods. Mais ça arrivera peut-être. Je sais pas trop. Ouais, là, c'est. Il est de tabarnouche, ouais. Ouais, ça ferait comme X-Pac puis le Road Dogg au King of the Ring 99 en demi-finale. Ouais. Ah, peut-être. Peut-être, mais ça pourrait être intéressant parce que c'est les seuls moments où vraiment ils peuvent se battre un contre l'autre, puis ça permettrait aussi de faire un heel turn. Aussi. Peut-être. Donc, moi, mon pronostic, honnêtement, je crois que c'est Finn Balor qui va devenir le prochain King of the Ring. Parce que les autres lutteurs semblent, honnêtement, je vois pas qu'ils pourraient être là. À moins qu'ils veulent vraiment pusher l'un des New Days. Ce qui peut arriver, puisque là, ils ont pushé Biggie, puis les deux ont été mis un petit peu à l'écart. Attends. Mais comme je l'ai mentionné lors de notre ancien podcast, Vince McMahon adore les New Days. Ah, je sais. Alors, c'est l'une des raisons pourquoi Biggie a été pushé. Mais Biggie a toujours fait un bon travail, ainsi que Kofi Xavier. Pour moi, mon hypothèse, puis je veux savoir ce que t'en penses par la suite, je pense que, ouais, plus j'y pense, Kofi va le remporter sur Jinder Mahal, Xavier Woods va le remporter sur Ricochet, il va avoir un combat Kofi Kingston contre Xavier Woods, et il va avoir un heel turn ici, pour avoir un face contre un heel à la fin. Donc, il y aurait Finn Balor face à l'un des deux qui virait heel des New Day. Parce que toi, je te vois venir. Pour scraper les New Day. Parce que toi, je te vois venir. Là. Faut qu'il y ait un heel turn des deux. Parce qu'il y en a un qui va être le Marty Jannetty de l'autre. C'est ça le problème. Hein? Ben là, moi, je pense que... Probablement que Xavier Woods va être le Marty Jannetty de Kofi Kingston. Shawn Michaels. Ouais, c'est ça. C'est ça. Okay. Hey, fallait qu'on le plug. Fallait qu'on le plug, Marty. Yes, yes, yes. Pour maintenant, ça va être le Queen's Crown, le fameux tournoi du Queen's Crown, le King of the Ring au féminin. Puis entre toi et moi, il y a les prospects qui ont été annoncés pour le tournoi féminin de la WWE, le Queen's Crown. Ouais, t'as dit NXT là-dedans un peu. Il n'y a rien qui nous fait saliver. Il n'y a pas une lutteuse que je me dis, ça c'est pas... C'est un bon potentiel, puis je la vois à la fin. Si j'aurais vu une Charlotte Flair, je me serais dit, ben, elle est déjà championne. Non, je le sais, mais tu comprends ce que. Oui, Zelina Vega. Oui, elle a gagné contre Carmella. Qui va se rendre d'après toi à la finale? Ben là, moi, j'aimerais ça que ce soit Carmella. Pas Carmella, c'est Natalia. Moi, je verrais Natalia, Queen of the Ring. The Queen of Heart, man, t'en pognerais-tu? King of Heart, Queen of Heart. Mais ça se peut que ce soit. Hey, ça serait bon, ça, The Queen of Heart. Ça se peut. Avoue que ça torcherait. Ben, c'est sûr. Mais ils n'ont pas le choix de faire quelque chose. C'est mon opinion. Oui. Mais t'as un excellent point. Ben, plus, je pense, avec la AEW qui ont annoncé. Owen Hart. Le tournoi Owen Hart. Le tournoi Owen Hart. Ben, ça va être un clin d'œil à Owen. Avec ben, moi, c'est ce que je pense. Ben, Nostradamus. Ben, Nostradamus, d'après moi, il a raison. Puis ça va être Natalia qui s'en vient. Moi, j'aimerais ça en dessous. Ben. Natalia contre Carmella, ça peut être un bon combat. Ben non, mais là, je peux pas croire que Carmella, ça va... Ben, ça sera pas la Zelina Vega, là. Ben, je peux... Non, je pense pas. Là. Dana Brooke, ils en feront... Non. Ouais, Shayna Baszler va battre Dana Brooke. Moi, je suis pas mal certain. Là. Ah, c'est sûr. Puis Natalia va battre la grosse Doudrop. Ouais. Parfait. Ça marche pas trop dans les W, Doudrop. Exactement. Nous sommes maintenant rendus à la partie indépendante de la lutte aux États-Unis, mesdames et messieurs. Vous vous rappelez, dans un récent podcast, on vous avait déjà parlé de Tajiri qui allait débuter à la MLW. Eh bien, le 2 octobre dernier, il est devenu le nouveau champion middleweight lors de l'événement Fightlands dans un four-way match impliquant également l'ex-champion Myron Reed, Aramis et Arez. Félicitations à Tajiri. Yes. Toi, tu voulais parler sur quelque chose qui allait se passer à New York, là? Oui, exactement. En fait, il y a deux événements qui s'en viennent prochainement au mois de novembre. Et puis, on parlait juste avant de Crown Jewel. Et ben puis, oui. Je vais ouvrir une parenthèse puisque ça me fait penser à ça. Le 12 novembre, il y a un show au NYC Arena de House of Glory. Okay. HOG, dans le fond, c'est la fédération du lutteur Amazing Red. Yes! Okay. Et puis, le champion IWGP,
Will Ospreay est annoncé et il affrontera nul autre que la personne qui n'a plus besoin de présentation, Amazing Red. Ça, alors, et d'ailleurs, il y aura aussi un triple threat. Et c'est là que je veux en venir, c'est qu'on parlait juste avant de Crown Jewel. Ben oui. Le titre, le combat que je vais vous parler, c'est pour le titre Crown Jewel de la HOG. Et c'est, dans le fond, Loki, T.J. Perkins et Charles Mason. On se souviendra que dans le passé, T.J. Perkins a fait le tournoi Cruiserweight Classic. Il l'a remporté. Exactement. Donc, The Grand Metallic. C'est ça. Et puis, en fait, les trois se disputeront un combat qui risque d'être intéressant lors de l'événement du 12 novembre. En parlant du 12 novembre, oui, vas-y. Bien, dans le comté de New York, au Marriott Airport, il y aura un événement qui s'appelle The Big Event. Et puis, c'est deux grosses journées d'événements. Lors de cet événement-là, en fait, il y a des guests, des lutteurs invités. On pense à Paul White, aka le Big Show. On pense aussi à Omega qui sera présent, Kenny Omega. Il y aura aussi Christy Eam. Elle s'appelait comment déjà? Christy Eam. Oui, Christy. Tu sais, elle a gagné le divorceur en 2004 puis elle a posé à poil l'année d'après. Oui, c'est ça. Il va y avoir l'ancienne femme de. L'ancienne femme, c'est pas vrai. La femme. La femme, c'est CM Punk. AJ Lee, AJ Mendez, de son vrai nom. Exactement. Il y aura la légende Ric Flair, Lawrence Taylor, le joueur de football. Qui a affronté Bam Bam Bigelow à WrestleMania 11. Exactement. C'est un excellent combat. JBL sera de la partie. Il y aura aussi les Outsiders, Kevin Nash et Scott Hall. Ouais, si Scott Hall n'est pas trop sa brosse. Exactement. Et en parlant d'un peu WCW, il y aura nul autre que Eric Bischoff, The Inspiration. C'est les anciens iconiques, ça, je pense. Hein? Yes. Bret the Hitman Hart, Malakai Black, Jade Cargill, Matt Hughes de la UFC, et j'en passe là, écoute, il y a Dan Hawson de la ROH, il y a Bruce the Barber Beefcake, Bully Ray, Matt Hardy, Mercedes Martinez, des joueurs des Yankees de New York, dont Reggie Jackson, Kate Hernandez, Wade Boggs, et il y aurait aussi la vedette de la AEW, Eddie Kingston, la légende de la lutte de Berserker, Snickers, Brooklyn Brawler, Skinners, écoute, c'est un événement assez incroyable. Stan Hansen est là, DDP est là, Will Mortez est là, Eric Redbeard, a.k.a. comment il s'appelait déjà à la WWE, lui? Rick Rowan. Rick Rowan. Oui, il y a Rick Rude. Rick Rude. Parce que t'allais dire Rick Rude. Monty Keep Soap, qu'on faisait des jokes avec lors de notre dernière émission. Exactement. Billy Gunn, Ron Simmons, Juventud Guerrera, et plusieurs autres. Et nul autre que la légende Randy Hogan. Tout le monde s'en calisse. Yes. Alors maintenant, nous allons parler de AEW et Impact Wrestling, mesdames et messieurs. Oui, et puis... T'en saisis, par exemple. Honnêtement, la partie de Impact Wrestling, il s'agit de Sami Callihan, sera absent de la compétition jusqu'au printemps 2022. En effet, il s'est cassé la cheville lors des enregistrements de la Fédération lors du week-end des 18 et 19 septembre dernier. Et puis, il aurait été opéré, mais devra se soigner de ses blessures. Ouais, c'est normal aussi. Récemment, Christopher Daniels de Fallen Angel ferait un retour... probablement soit à la Impact Wrestling et la AEW. Ça va être bien deux, c'est sûr. Exactement. Pas mal certain. Et on vous invite à regarder la vidéo. Elle est disponible sur notre YouTube channel. Avec le nombre considérable de nouveaux membres de la AEW, cette dernière ne semble pas avoir de place pour Buddy Murphy, libéré depuis quelques mois de la WWE. Par contre, Murphy devrait rejoindre la Impact Wrestling sous peu. Yes. En parlant de Impact Wrestling, passons à autre chose. Exactement.
Ah, ben le pay-per-view All Out qu'on a tellement bien plugué le mois dernier, on va parler un peu de nos impressions. Ben oui, c'est un des bons shows qu'on a vu dans la dernière année, All Out, hein? Ouais, numéro 1. Non. Honnêtement, regarde, on va... probablement qu'on ne sera pas des amis lors de cette section-là de All Out. Honnêtement, on a vu beaucoup de luttes dans notre vie. On a déjà vu mieux, beaucoup mieux. On a vu neiger, là, tu sais. On s'entend, là, on est vrai. All Out est excellent. Dans l'ensemble, là, on a mis un 7 sur 10 qu'on avait mis, 7,5 sur 10. 71% maintenant. Ouais, c'est ça. Et puis, alors que ça aurait pu être 85%. On est loin d'un Heat Wave ou d'un Anarchy Rules 1999 ou d'un WrestleMania 11 ou d'un WrestleMania 3 ou tu sais les événements. Ça ressemble à 92. Ça ressemble à 88. Ouais, c'est ça. Tu sais, des événements qui ont marqué l'histoire de la lutte. Bad Blood. Hein, Bad Blood 97 était bon. Ou il y a eu des New York qui étaient excellents. Ah oui, exactement. Mais on est vraiment. Tu sais, c'était excellent. Sauf que, tu sais, on est loin d'un Wrestle Kingdom. On est loin d'un. Écoute, je pourrais en nommer toute la nuit là, des événements qui. Tu sais, il y a eu des super de gros événements à Ring of Honor. Tu sais, on a parlé de Samoa Joe, Kenta Kobashi. Moi, j'ai vu live Glory by Honor 2. Puis honnêtement, c'était 100 fois mieux que ça. Là. Je me répète, mais oui, le match de cage était excellent. Là. Ouais, tout était super ouais, bon. Bon. Okay. Je sais que je vais me faire haïr, mais il n'y a rien qui va battre un moonsault de Terry Funk à 60 ans dans une table contre CM Punk. Ah, ça c'est sûr. Tu comprends, c'est complètement différent. C'était excellent. C'est difficile de comparer les années. C'est pas les mêmes années, mais on peut-tu s'entendre pour dire que c'était pas wow? T'sais, le premier combat, c'était les best friends Orange Cassidy, Chuck Taylor et Wheeler Yuta qui ont affronté dans le fond. Non, il était avec Jurassic Express. Jurassic Express. Et avec Marco Stunt. Ils ont défait RD Family Office and The Hybrid 2 by Submission. Mais tu sais, je sais pas. Il y avait trop de monde, tu sais. C'est quoi, c'était un 5 contre 5? Ouais, il y avait beaucoup de monde, mais je me souviens, il y avait eu un Canadian Destroyer sur les épaules de. Luchasaurus. C'était quand même excellent. Ouais. Tu sais, c'était un bon 7 sur 10, honnêtement. C'était vraiment un bon combat. Miro a défait Eddie Kingston. Ça m'a. Ça nous a fait chier. Ça nous a fait chier, on voulait que... Moi, je m'attendais à ce que Miro ne remporte pas le combat, mais récemment, on en parlera plus tard, mais Sammy Guevara a... Ouais, Sammy Guevara, à peu près deux semaines. A fait la différence dans les... Devenu le nouveau champion TNT. Ouais, c'est ça. Ensuite de ça, il y a eu un combat John Moxley contre Satoshi Kojima. T'as trouvé ce combat-là comment, toi, mon ami? Ouais, lent mais très stiff, rien de plus. C'était violent, là. On se souvient. Mais c'était lent, quand même. Ah, c'était lent, mais Kojima, hein, qui s'est coupé au visage, hein, à un moment donné, il saignait, je me souviens pas où. C'est-tu à l'arcade sourcilière? Je pense que c'était là, mais c'était un combat. C'était un bon combat. C'était un des bons combats de la soirée, honnêtement, c'était super. Ensuite de ça, il y a eu le combat féminin. La championne Dr. Britt Baker dit. Comment ça m'énerve, Nestor? Ah, t'as eu ça quand elle dit. Si vous verriez la face à Ben, là, lui, il se lève la nuit pour la détester. Ben, détester DMD, mais pas la lutteuse. La lutteuse est quand même bonne, mais quand elle fait DMD, tabarnak. C'est quoi, tu m'as fait penser. Comme RVD à Anarchy Rose, à un moment donné, RVD, il fait ça, je pense, Robin, avec genre sa ligne de poudre et son joint de pote dans les toilettes. Là. Ouais, mais il l'a fait à peu près 100 fois dans combat, comme bon, mais on est, ça revient-en. Mais DMD, c'est la même affaire. Là. Je l'aime, Britt Baker, elle lutte bien, mais allez, reviens-en avec ton DMD. Mais DMD, on s'entend, on en a parlé. Dans les... clic, est-ce que ben, c'est ça. Tu sais, là, on se fera pas émeu du monde, OK? Mais Omega, Young Bucks, Adam Cole, ces gens-là, là, c'est une clique. Ça fait penser à une fédération au Québec dont j'étais le nom, là. Mais il y avait des clics, hein? Ouais, exactement. On n'aura pas de nom, hein?
Ensuite de ça, le Lucha Brothers qui ont remporté le championnat par équipe de la AEW face aux Young Bucks. Très bon spot, bonne chimie. Je pense que c'était le meilleur match du show. Personnellement. C'est un excellent combat. Selon moi, c'est le meilleur match du show. Le spot à la fin de la carte. 8.5, 9 sur 10. Ah ouais, c'était débile. C'était vraiment bon. Puis Lucha Brothers méritait tellement de gagner. Ouais, il mérite. Puis ils ont livré la marchandise. C'était excellent. Je me souviens de Penta L0 Milo. À la fin du combat, il est allé voir son enfant. Puis, un petit câlin. Ouais, c'était bon. C'était génial. Puis, je trouve ça vraiment intéressant, le côté humain que la AEW apporte aux fans et aux lutteurs. Je trouve que c'est vraiment intéressant. On se souviendra que récemment, ils ont refait aussi un hommage à Brody Lee. Oui, il y avait un show hommage... Vous l'avez pris une semaine ou deux? Oui, c'est ça. Dans la Ils ont annoncé aussi qu'il allait avoir une fondation. Pour la fondation Blue Daily. Ah, ben c'est parce que toi, t'écoutais la promo. Je pense que j'ai skippé les promos, c'est peut-être pour ça. Yes, et puis, fait que c'est vraiment intéressant. C'est une super de belle nouvelle. D'ailleurs, je salue l'un de nos amis, Stéphane Mitivier, qui aime beaucoup Blue Daily. La dernière fois, Stéphane, il y avait un chandail de Blue Daily. Moi, tu m'as déjà parlé de ça. Oui, il aime vraiment beaucoup. Non, il était cool, Blue Daily. Ça lui a fait de quoi quand. Quand il a appris. Ben oui, ben ça, 41 ans, c'est jeune pour mourir. C'est très dommage. Ensuite de ça, il y a eu Ruby Soho. Ben non, mais c'est le Casino Battle Royale. Oui. Excuse-moi. Belle surprise, retour de Ruby Soho. La toune. Ruby Soho. Ouais, c'est ça. Elle a éliminé en dernier Thunder Rosa. Ouais, Battle Royale, peux-tu vraiment évaluer ça? Ben, j'étais content qu'elle revienne, il n'y a pas de trouble. Moi, honnêtement, le meilleur Battle Royale que j'ai vu, c'est quand il avait ramené, je me souviens pas de l'année, mais il avait ramené Rey Mysterio. Puis Rey Mysterio avait vidé le ring. Je me souviens pas c'était en quelle année. Ben, Royal Rumble 2006, quand Rey Mysterio a gagné. Je pense que c'est cette année-là. À l'époque, on était avec Francis et Nicolas. Ah, ça c'est pour Feu Nicolas Perrault. Ben oui. Et puis, c'était vraiment une belle soirée. On va se souvenir très longtemps. Un autre bon match qui a attiré notre attention, c'est Chris Jericho qui mettait sa carrière en jeu contre MJF. Il l'a vaincu par submission. Ouais, c'était un excellent combat. Puis, il avait mis sa carrière en jeu, comme tu viens de le dire. Tu sais, un, deux, trois, il avait son pied dans les cordes. Il a recommencé le match, il a fait Wall of Jericho. Yes, il y a plusieurs combats qui ont fini comme ça un petit peu. D'ailleurs, en parlant de reprise en tant que telle, on pourrait parler du combat de CM Punk et de Darby Allin, ce qui, selon nous, et une fois de plus, vous pourrez commenter... Ouais, vous nous bâcherez, on s'en fout. Écoutez, moi j'ai... Qu'est-ce que t'en penses, toi, de CM Punk contre Darby Allin? Ben, moi, en tout cas, CM Punk, je l'aime beaucoup, mais là, il me donnait l'impression... OK, qu'il arrête de se servir du fait que ça fait 7 ans qu'il n'a pas lutté, là. Gars, il est en shape, il est plus en shape qu'avant, le gars. Il a plus de cardio qu'avant, là. Il est plus en forme que jamais, puisqu'il y a une formation, il y a un entraînement intensif de UFC. Ben oui, carrément. Donc, normalement... C'est fait que ça ne volait deux fois, là, mais quand même. Il devrait être encore plus rapide, plus efficace, et plus de tout. T'sais, oui, je sais, oui, le gars a vieilli, ah oui. Mais Edge aussi a vieilli, puis Edge livre encore la marchandise. Shawn Michaels, il avait vieilli, puis il avait fait 7 matchs of the year consécutifs. Récemment, j'ai écouté une émission, un podcast où CM Punk était interviewé, puis lui-même le disait, tu sais, oui, c'est un bon combat, mais je ne suis plus le CM Punk d'autrefois. Le top wrestler of the world. Je ne suis plus le. Puis là, il nommait 4-5 lutteurs qui est pour lui. Il connaît sa lutte. C'est un excellent lutteur, il connaît sa lutte. Ses promos sont hot, il est bon, là. Il est smart. C'est un super de bon move que la AEW ont fait. Mais je vais enlever ta phrase. Je vais enlever la phrase que dans ta bouche que tu m'as dit l'autre jour, c'est ça te tente pas de lutter chez vous. Ben, il luttait comme un gars qui avait plus rien à prouver d'une certaine manière. Ouais, je sais. Alors qu'il a tout à prouver. Hey, c'est la fédération concurrente de la WWE. Vous comprenez ce que je veux dire, les auditeurs, là? Ah, je le sais. Mais, bref, laissons-lui reprendre du poil de la bête, on verra. Le combat, non, aussi contre le gars de... Hobbs, le gros noir, il est comme Taz, là. C'est ordinaire. Mais c'est ça. Comme Daniel Garcia, c'est ordinaire et tout, là.
J'ai hâte de voir, là. Tu sais, j'ai hâte de voir où hey, CM Punk. Dans l'après-midi d'All Out, je peux pas croire qu'il n'y a pas eu le temps de faire des spots à Omega et Young Bucks, là. Il doit avoir eu le temps de pratiquer, là. Puis okay. En plus de ça, oui, je le sais qu'ils veulent mettre de l'avant, ils veulent faire des hommages à la lutte. Mais quand ça fait 25 ans que tu luttes, là, on peut-tu faire un combat qui soit pas le même que 1-2-3 Kid face à Bret Hart? De 1995-96, là? Ouais, ils ont copié... Vous avez le droit de les aimer. Ils ont copié le combat, nous, quand même. Nous, les premiers, dans le temps, là, on luttait, là, Sainte-Marcou. Ouais, Sainte-Marcou. Je luttais contre un Scott Matrix. On trippait sa Ring of Honor, on trippait sa CZW, on voyait des spots. Ah oui, il faisait des spots, ça, c'est fait correct. Mais on était dans de la lutte indépendante. Lutte amateur. Lutte amateur. Tu ne reviens pas ta vie de ça, là. C'est ça. Là, c'est du professionnel. On peut plus se permettre, dans le professionnel, bout de vierge, de faire des combats copieux. Amateurs, copiés. Des combats copiés, là. Moi, ça me fait capoter. Pourquoi pas s'il y a Punk contre Omega? Ça aurait peut-être été crissement meilleur, là. Ben moi, je pense que ça aurait livré un excellent combat. OK, s'il y a Punk qui arrive à Rampage le 20 août, OK? Il challenge Omega pour la strap. C'est le champion, là. Best in the World Challenge for the World Heavyweight Championship. Là, Omega qui s'en vient avec sa petite clique. Moi, ce que je pense... Moi, c'est ça que j'aurais fait. Puis j'aimerais ça, là, que vous sortiez un peu... de votre canne de conserve, les gens sur Internet. Puis je veux que vous me disiez la vérité quand on va mettre le podcast. C'est important. Soyez francs dans vos commentaires. S'il vous plaît. Vous avez partagez le droit... nos affaires. Vous avez le droit de nous détester, là. Ouais. Moi, ce que je pense, il va y avoir CM Punk face à Omega, mais ça ira pas avant le Weekend of WrestleMania. Mais ça va être c'est Revolution, mettons en février, là. Février-mars? Moi, je pense que ça va être mars, dans ce coin-là. Mania, c'est fin mars, début avril. C'est-à-dire que le style d'Omega ne perd pas sa strap avant le mois de mars? Il ne perd pas sa strap avant mars. À moins que... Attendez-vous pas, OK. À moins qu'un Pac-Man Page, Adam Page gagne. Est-ce Ben? Ça se peut, là. Hangman Page. Hangman Page, ouais. Excellent lutteur. Tu le vois-tu représenter la fédération AEW? Ben, pourquoi pas? Tu penses? Non, mais il n'y a rien qui dit qu'il va battre peut-être Omega, mais il peut la repartre deux mois après. À Dynamite ou à Rampage. Peut-être. Ça va être à l'affaire demain. Mais je trouve ça va faire comme Jarrett. Il va perdre sa strap un mois ou deux, il va la regagner pendant 8 mois. C'est sûr. Il n'y a pas de... C'est pas du négatif ce qu'on dit. C'est juste des affirmations puis des choses qu'on met... La réalité de quelqu'un... La réalité de quelqu'un qui se porte une fête pour se crisser champion, tabarnak, c'est pas compliqué. Je sais. Regarde Omega, pourquoi il n'a pas été à NXT? Parce qu'il sait qu'à NXT, là, il aurait été obligé de travailler fort pour avoir sa strap. Tandis que là, à AEW, il donne tout de cuit dans le bec. J'enlève rien à Omega, il est excellent. Il est excellent, il fait des super de bons combats. Mais il doit booker et doit se crisser champion. Mais il y a aussi des choses super positives avec la AEW. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça. Je trouve ça intéressant que le Joker, c'était Hangman Page. Et moi donc? Qui ont ramené Hangman Page parce que ce dernier avait voulu avoir un peu de temps pour pouvoir passer du temps avec sa famille. Sa femme venait d'accoucher. Mais moi, je trouve ça intéressant. C'est ça que Stéphane a dit. Stéphane Métivier, c'est ça qu'il nous a dit. C'est ça. Mais ça revient à dire, toi pis moi, ce qu'on vient de dire, c'est que la AEW permet à leur famille d'apporter le côté humain de la chose, puis de pouvoir arrêter de lutter 300 jours par année. La WWE, écoute Kevin Owens, si t'écoutes notre podcast, fais le message à WWE. Ils ne travaillent pas de la bonne façon. Nous, on est contents, les fans, de voir un show à Montréal le 30 décembre. Mais pour les lutteurs là, qui se battent le cul à toutes les années, qui font 300 shows par année, tu penses-tu qu'ils n'aimeraient pas ça pouvoir être avec leur famille le 30 décembre? Ben moi, je trouve que... OK, le prochain combat, mesdames et messieurs, il s'agissait de Paul White qui a battu QT Marshall... Cutie Marshall. Ouais, c'était un match lent. Rien à faire, toi. Pis tu sais pourquoi ce combat-là, il a été mis avant le main event? Ça, c'est un combat, t'as envie d'aller t'acheter une liqueur, pis. Ah ouais, t'as envie d'aller chier, tu veux. Non, mais est-ce que. On déconne, là. Mais c'est un combat, là, qui pouvait durer une minute, qui pouvait durer 5 minutes, qui pouvait durer 15 minutes. Pis.
c'était la place pour le mettre juste avant le main event. Fait que si le monde, les lutteurs dépassaient le temps, ben c'était une combo patchée. Fait qu'il fallait que tu te dépasses pour aller chier. Ou ben t'avais du temps pour faire ton petit 2. Fait que c'est ça. T'avais le 2 dans le chercher un frit. Et maintenant, le main event, c'est Kenny Omega qui a conservé sa strap contre Christian Cage pour la AEW Championship. Ouais, c'est un bon main event, franchement. C'est un excellent main event. Puis tu sais, t'as eu la venue de Adam Cole avant, puis la venue de Bryan Danielson. The American Dragon, Bryan Danielson. T'sais, tu penses que Cole va se lier ses faces, mais non, est-ce qu'il s'en virait contre les faces, il est viré il. Ben, c'est encore une fois, c'est une histoire de clip. Là, moi, je veux revenir là-dedans. Mais c'était cool, Adam Cole. Ben. Oui, c'était excellent. Adam Cole, ouais. Adam Cole. Mais on revient encore à notre débat. Ben, Adam Cole, ses amis, c'est qui? Omega, les Young Bucks. Voilà. Britt Baker est championne. Elle sort avec qui? Ben, il se la farcie, ouais. Adam Cole. Exactement. Mais ça la réalité, bout de viande. Oui, exactement. Mais on fait des conneries, mais c'est ça la réalité. Puis c'est ça que les gens font. Oui, je sais, ils sont super bons. Les Young Bucks font des bons combats. Mais c'est tout le temps même crise d'affaires, tabarnak. Mais je vais revenir à dire ce que Ben vient de dire il y a quelques minutes. Te partir une Fed pour te mettre champion. Ça ressemble à ça. Cody Rhodes, il y a des ports là-dedans, puis est-ce que tu es champion? Non. Il fait sa petite affaire sans faire chier personne. Et voilà. Ensuite de ça, on pourrait parler d'un événement qui s'est passé le 22 septembre. C'est-à-dire le Dynamite de Grand Slam. Grand Slam Dynamite. Qui était au Arthur Ashe Stadium. Tu te souviens d'Arthur Ashe? Non. Ouais, c'est un joueur de tennis qui est mort d'ici là. OK, je sais. Non, mais okay. C'est pas parce qu'il est... Non, mais lui, il est mort d'ici là parce que je pense qu'il avait fait une crise de cœur. Il avait eu à faire une transfusion cardiaque, puis ils n'ont pas donné du bon sang. Fait qu'il a pogné du sida, puis il est mort. Ils ont donné du sang avec du sida dedans? Ben, du mauvais sang. Calice! Non, mais c'était dans le temps, ils ne passaient pas de test, là. Non, je sais. Mais c'est ça, Arthur Ashe, c'est un peu ça. C'est un grand champion de tennis de l'époque. Bref, ouais, c'est ça. Ils ont ouvert le Dynamite le 22 septembre. Ça, c'était juste comme wow! Là, honnêtement, là, c'était Kenny Omega face à The American Dragon, Bryan Danielson, et c'était fantastique! Une demi-heure, un draw, mesdames et messieurs. Un draw, c'est quand il n'y a pas de gagnant, que le temps de limite est écoulé. Match of the year, je suis pas mal certain. Ah, s'ils mettent pas ça, match of the year, man. Ça va faire partie des bons combats. Il reste que. On va avoir une part 2, une part 3 probablement de ces combats-là. Donc. Pour la strap! Mais pour ils ont vraiment mis la table pour une éventualité de beaux combats. Ce qui s'en est suit avec le combat de MJF qui a défait Brian Pillman Jr. Pillman Jr. Il était avec Julia Hart. Par prise de soumission. C'était très bon. Et on avait mis un 8 sur 10. Et juste avant, on n'a pas mis, mais c'était vraiment c'était un 10 sur 10. Oh, ouais, Kenny Omega, c'était un 10 sur 10. Là. Ce combat-là, là, c'était comme un match Shawn Michaels à WrestleMania. Exactement. Ensuite, il y a eu Malakai Black qui a revaincu Cody Rhodes. 8.5 sur 10. Ah oh, ouais, c'était excellent. À l'entrée de Cody Rhodes a torché, puis l'entrée de Malakai Black. C'était vraiment bon. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse concernant Cody Rhodes. Ouais, vas-y. Récemment, on se souvient, Arn Anderson semble essayer de vouloir changer l'attitude, pas le physique, mais l'habillement, la mentalité de Cody Rhodes. Je pense que ça risque d'être vraiment intéressant de ce côté-là. On se souviendra que lors des derniers Dynamite, Arn Anderson est allé chez Cody Rhodes et puis a fait brûler du linge. Mais Cody Rhodes a déjà mentionné qu'il ne verra jamais heel à la AEW. Moi, ce que je pense, l'attitude, il sera pas heel, c'est que Arn Anderson va faire un heel turn peut-être, on sait pas. Sur Cody Rhodes. Mais on sait, c'est toi qui me l'as mentionné, Arn Anderson n'a plus le tenir. Ah, il est rendu à 63 ans. Puis il y a un problème de... Il fait de la paralysie dans la main droite. C'est ça.
Donc, on ne s'attend pas à ce que Arn Anderson retourne dans une arène prochainement. Par contre, il pourrait arriver avec quelqu'un pour le dévaliser, là, pour le ramasser. Pas son fils, j'espère, parce que c'est son fils, tabarnak. Je ne sais même pas s'il y a du chaud dans le corps. Là. Je sais que les gens salivent sur le fait de l'arrivée de Bray Wyatt. Mais ça serait Bray Wyatt serait une personne idéale pour Arn Anderson. Je sais que tout le monde arrive pour la Dark Order. Mais je crois, et ça c'est mon opinion personnelle, j'aimerais ça qu'on débatte là-dessus. Non, mais vas-y. Le fait que Brody Lee soit malheureusement quitté dans l'au-delà. Ouais. Dans l'au-delà, je ne crois pas qu'il va avoir quelqu'un de aussi qualifié pour représenter la Dark Order. Oui, je le sais. Rotunda, c'est un ami à Brody Lee. Ils ont travaillé ensemble longtemps, mais juste pour le respect, je crois qu'ils vont conserver ça comme ça. Éventuellement, ils vont dissoudre la Dark Order, un peu comme ils ont fait avec la NWO. Parce qu'on s'entend que la Dark Order ne sera jamais aussi, jamais aussi populaire que la NWO. Ni la DX, là? Non! Mais je pense pas que Rotunda va revenir pour aller se placer dans la Dark Order. Moi, je pense que Rotunda va revenir. Bray Wyatt, bien sûr. Mais pour... C'est un génie. Ce gars-là, c'est un génie. Là, ça close à la chèvre. Là, ça close de non-concurrence en plus. Là. Ouais, 31 octobre. Ça... 31 octobre, c'est ça. C'est votre crissée dehors le 31 juillet. 31 octobre. Exact. Ensuite, le prochain combat, Sting et Darby Allin qui ont vaincu FTR. C'est ça, par soumission. Je trouvais que c'était du bon vieux Sting. Ouais, c'était bon. Puis, honnêtement, Sting, là. Il livre la marchandise à 62 ans. Oui, puis il fait exactement ce que la direction lui demande de faire. Puis Sting, je trouve ça intéressant parce que. Il apporte un côté old school à la AEW, puis il apporte une certaine éducation au nouveau. C'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur. Ah, c'est un coach de vie. Bon, le prochain combat, je te laisse nommer la première concurrente. C'est la championne Dr. Britt Baker, DMD. Mm-hmm. Est-ce que ça me fait rire quand, à chaque fois que je le fais, là, si vous verriez la face à. À Ben à chaque fois. Ouais. Ben, là, il est plus capable de Britt Baker. Et elle a vaincu Ruby Soho, single match. Un bon single match, franchement. Ben oui. Ils ont livré à marchandise. Ouais, c'était un petit combat, 13 minutes, bien placé. Ben, pour il y en a de plus en plus des main events féminins. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ben, la WWE a commencé le bal, là, avec un main event à WrestleMania. Ensuite de ça, un main event à Raw. Ouais. Puis là, ben, le bal s'ensuit. On se souvient, là. C'est intéressant parce qu'on voit que de plus en plus la lutte féminine prend sa place. Si on recule dans les années 80-90, les femmes étaient des attractions. C'était comme les petites personnes puis les grandes personnes, les femmes à barbe. Mais c'est ça pareil. C'était des attractions, là. C'était des beaux carnavals. C'est peut-être ce que je dis, mais c'était ça parce qu'il n'y en avait pas. Personne n'avait fait le chemin, mais ça a pris des personnes qui ont fait leur chemin, des Bull Nakano, des Alan Rodlays, des Asuka, des Lufisto, des Mercedes Martinez, des Sasha Banks, des Becky Lynch. Des Sherry Martel, des Miss Elizabeth. Exactement, qui ont permis de faire la place à des nouveaux, puis de faire en sorte que maintenant... La lutte féminine est à son meilleur, puis qu'il y a des fédérations de lutte féminine comme la Shimmer, la ALF, la. J'en pense. Le Woman of Wrestling. Le Woman of Wrestling. La fin qui est JD, puis Tessa Blanchard. La fédération de ces derniers va recommencer. Oui, c'est ça. Et JD. On avait publié de quoi récemment sur Facebook. Recommence à. Je ne sais pas si elle va recommencer à lutter, mais elle va recommencer à s'impliquer. Au niveau de la lutte professionnelle indépendante, bien sûr, puisque la World Wrestling, c'est une fédération de lutte entièrement féminine qui est à découvrir. Donc, nous vous invitons
à regarder ça davantage. Et puis, elle était avec Tessa Blanchard, là, c'est ce que tu viens de me dire. Oui, c'est ouais, Tessa Blanchard, elle va partir du roster. Oui, c'est ça. Elle va être... Parce qu'AJ, elle ne luttera pas. Non, je crois qu'elle va être dans la direction plus low profile. Mais je pense que la première à être dans le roster, ça va être... Ouais, puis plus j'y pense, plus je me dis que le contrat de CM Punk, c'est un peu un contrat à la Goldberg de genre... Tu vas faire 4-5 matchs dans ton année, mais le reste, tu vas être plus genre... Commentateur à Rampage. Ouais, c'est ce que je pense. Plus des apparitions, des signatures d'autographes, des photos. On se souviendra qu'au dernier Dynamite, CM Punk a offert à un fans dans la foule une paire de Nikes d'une valeur de plus de 1000$ US à un fans dans la... Une belle paire de Nike rouge. Et avez-vous remarqué, il y a une affaire, CM Punk, il a juste à Rampage, il a pas à Dynamite, ma sœur. Ben, il a le temps en l'autre, ça se carrément. Il fait toujours acte de présence aux événements de la AEW. Ouais. Mais il lutte pas vraiment. Comme commentateur ou comme catcheur, même. J'ai l'impression là, qu'ils attendent. C'est stratégique là, leur affaire. Ils attendent de voir ce que la WWE vont placer comme pion pour ensuite de ça placer leur façon différente de leur stratégie en place. Puis j'ouvre une parenthèse, mais récemment, je sais pas si tu as vu ça, Benoît, mais Tony Khan a annoncé, a mis un article concernant la compétition WWE et on l'a mis sur notre page Facebook. On voit clairement là, qu'en ce moment, la AEW dérange la WWE. Ouais, donc, c'est certain que Vince McMahon ne peut pas se mettre les deux mains dans les poches comme Orange Cassidy avec sa fédération de lutte. C'est impossible. La AEW dérange. Ils ont toutes les meilleures en ce moment. Ils ont fait un draft, là, la WWE, et c'est de la merde. Ouais, mais là, il faut que ça change de division aussi. Là, les... yep. Ils n'ont pas le choix de faire changer de division. Nomme-moi les heels, puis nomme-moi les faces. C'est fou, il n'y a plus... Il n'y a plus de... Wow! Tu regardes Raw, il n'y a plus d'Hogan, il n'y a plus d'Austin, ça, c'est les sûr. Les faces de Raw, c'est qui, les faces de Raw? Owens. Ouais. Owens est retourné à Raw, ouais. Oui. Il n'y a plus... Il n'y a plus de... Je te dis, là, John Cena. Mais ça, faut pas oublier que ce fameux draft-là... Ça rentre en effectif le lendemain de Crown Jewel. Il me semble que c'est ça que j'ai cru entendre. Mais Kevin Owens était à Raw cette semaine. Ah, ok, ben lourd. Fait que c'est déjà enclenché la patente. Ça me semble que j'ai entendu dire que c'était après Crown Jewel. En tout cas, parce qu'il est venu cette semaine, il a fait un stunner au petit chinois là, que Kate Lee a ramassé pendant un autre événement de Raw. Bref, revenons à nos moutons. OK, nous allons enchaîner maintenant. Le dernier sujet, bien sûr, c'est le AEW Grand Slam qui se déroulait à Rampage le 24 septembre dernier. Un spécial 2 heures, mesdames et messieurs. T'en as pensé quoi, c'est ouais, CM Punk battu Powerhouse Hobbs. Ouais, le petit fucked up de Rick and Rana du troisième câble, j'ai trouvé ça ordinaire. Là. Fait que c'est pour ça que t'as mis un 7 sur 10 level show pour le combat. Ouais, j'aurais pu mettre bien plus, mais enlève c'est... Ouais, c'est sûr. Tu sais, en tout petit bout, t'es à AEW, la fédération concurrente de la WWE, comme je l'ai mentionné. T'es pas supposé manquer un... T'es supposé de savoir comment tomber quand tu manges un American Rana de la 3 en tout pis mouille. C'est ça. Je suis découragé. Honnêtement, là, ça me fait capoter. Mais bon. Le deuxième combat. Super Click. Ouais, Super Click, ça le dit. La clique Adam Clone. Ouais, la clique. Adam Clone, hein. Adam Cole, les Adam Young Cole. Bucks. Et les Young Bucks. Ils ont battu Christian et le Jurassic Express. Mais t'en macro, Adam Cole et les Young Bucks, ça perd pas souvent. Mais c'est un Christy de bon match, j'ai mis 9.5. Qu'on connaît. Ouais, je nomme pas de nom. Je suis sûr que ça reconnaisse les hosties. Men of the Year, Scorpio Sky et Ethan Page. Ils ont battu Chris Jericho et Jake Hager. Move solide, beau spot. Oh, ouais, c'est un beau combat. Un beau 8 sur 10. Ouais, c'est ça. Ensuite de ça, il y a eu les Lucha Bros. Qui étaient avec Santana et Ortiz, qui ont battu RD Family, and The Butcher and The Blade. Très bel haut de voltige, beau spot, un beau 8.5 sur 10. Yes. Ensuite, Penelope Ford qui a battu Anna Jay. Un peu court, mais fin original avec le point américain de Ford. Ouais, comme fait un point américain à la Regal, puis il y a 50 points en face. Ben ouais, on voyait ça souvent du côté masculin, mais féminin, je crois que ça n'avait pas été fait. Pas souvent, du coup. Donc, c'était original, fait que c'est très cool. Et puis, ça s'est terminé avec un match quand même intéressant. Selon notre critère d'évaluation, à 7.5 sur 10, c'était un match par équipe entre John Moxley et Eddie Kingston.
qui ont battu Suzuki et Lance Archer. Lance Archer. Stiff, genre c'était stiff. Un match japonais, c'est tout le temps stiff. Puis, faut pas oublier l'intervention d'Homicide à la fin, c'était très bien. Ouais, c'était j'ai cool. J'ai adoré Homicide, là. J'espère qu'ils vont le signer pour longtemps. Là. Ouais, fait que j'espère qu'on va avoir des belles surprises pour les prochaines semaines, mais honnêtement, je sens que ça risque d'être fort intéressant. En parlant de surprise, je me suis abonné à Crate, les Crate Box, là. Crate. OK. Les Crate Box que tu reçois à tous les trois mois sur le site de la AEW. Donc, je vais recevoir la semaine prochaine mes deux chandails de la AEW. Ben, je te souhaite bon. J'ai bien hâte de vous parler de ça. Puis, voilà, c'est ici que se termine notre émission spéciale. Ben, pas l'émission spéciale, mais c'est une émission qui va se faire... Ouais, consacrée à la lutte professionnelle. On peut le dire, c'est consacré sur la lutte professionnelle. Nos opinions et impressions. Yes, et puis, j'espère que vous avez apprécié. C'est un rendez-vous pour une prochaine émission. Mon nom était Jonathan Drapeau. J'étais avec Benoît Laferrière. Et on vous invite à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Continuez en grand nombre. Et on se retrouve pour un prochain WrestleRock podcast. Alors, soyez-y. L'action ne manquera pas. Au revoir.